Bon, on va essayer de monter là. On est plus haut que toutes les maisons qui sont là. Il est pas mort. Oh, il est tombé en plein sur la tête, j'espère qu'il va bien. Pierre, c'est quoi ça? C'est mon bout de pinceau. Il a perdu un morceau de sa voiture en venant ici parce qu'il sait pas conduire. Il est passé par le champ, lui avait passé par la route. Je suis passé par là. Moi, il m'a indiqué que pour arriver ici, il fallait que je passe par là. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je peux vous dire que là, actuellement, je préférais... Tu préférais pas être à leur place? Carrément, ouais. Posé. Posé, là, derrière mon téléphone, derrière mon ordinateur. Parce que là, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature de la vidéo. Aujourd'hui, je pense qu'on va affronter la plus grande rampe. Je pense que c'est la plus grande de France. Je sais pas si vous vous souvenez, on était venu rouler l'airbag d'un pote. C'était l'airbag le plus grand qu'on puisse trouver. Sauf que l'airbag était tellement grand, tellement immense, qu'on n'arrivait pas à sauter dessus, en fait. Ouais. À chaque fois, on atterrissait au bord. Ou alors, on tombait à côté. Tu pouvais même tomber avant de sauter sur l'airbag, tellement t'avais du mal à prendre de la vitesse. C'est dangereux. C'est un petit peu dangereux. Je remets un extrait. Tu vois qu'il en parle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit à notre pote Clément, mec, ça manque un petit peu d'élan sur ton airbag, il faudrait un peu plus de vitesse. Et du coup, au lieu de construire une rampe deux fois plus haute, ou alors trois fois plus haute, il a construit une rampe au moins 10 fois plus haute. Je dirais 15 fois. 15 fois. 10 000. 20 000. Le nombre de pouces bleus qu'il y aura sur cette vidéo. Mais c'est un minimum syndical pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, l'airbag est là-bas. Alors nous, on saute pas ici. Parce que ici on est sur l'élan pour sauter en motocross. C'est géant, regarde, tu vas voir la taille de l'airbag. Le problème c'est que l'airbag est très très haut, très très grand. Et il fallait de la vitesse pour sauter dessus. On va arrêter de faire durer le suspense, c'est inutile. On va directement aller montrer aux gens ce qu'ils veulent voir. Ouais. La méga rampe, ouais, la rampe qui pour moi est la plus grande de France. Quoi, y a ça nulle part de toute façon. Ouais, y a que ça aux States quoi. Si quelqu'un a une rampe plus grande, je veux la preuve. Identifiez-nous sur Instagram si vous voyez plus grand. Identifiez-nous si vous avez des rampes plus grandes que ça. Mais y a pas. Attends, je vous montre trop là. Attends, on va faire durer le suspense. Voilà, vas-y. Okay. On marche tranquillement. Attends. Ouais. Je vais me poser juste à côté de la rampe et tu vas me filmer, ok? Allez. Voilà, là c'est très bien. Là il faut que je monte là, comme ça. Ouais, ben, yes. Moi je rentre chez moi. Salut Philippe. Salut. Moi qui aime les trucs dangereux, je suis vraiment pas serein. T'es monté tout là-haut pour voir ce que ça donne? Non, j'ai pas osé. On monte ou pas? On va monter, ouais. Vas-y. Il y a un truc aussi, c'est déjà très très chaud de monter à pied. Alors t'imagines que monter avec ton vélo, ça va être dur. Du coup, ce qu'il a fait, je sais pas si vous voyez tout là-haut, fais un petit zoom. Hop là, un joli treuil. Voilà. En fait, tu vas accrocher ton vélo en bas et le vélo avec un moteur, tac, il va monter là-haut. Parce que t'imagines bien que monter à pied avec ton vélo, là, c'est pas du tout possible. Eh hey Philippe, tu sais quoi, avec un élan comme ça, j'en suis sûr, j'ai assez de speed pour lâcher double flip. Oh là avec là mon là, là là. Si là je lâche pas un double flip. Là je te paye McDo. Encore? Ouais. À partir de maintenant, dans toutes mes vidéos où Monsieur Sorio sera là, on va parier un McDo. Afin de ne pas glisser, ici on a un grillage. Bon, on va essayer de monter les gars. Ça va Monsieur Sorio? Oh. Tu veux que je t'aide ou c'est bon? Pop, j'ai tellement haut. Wouah, Zebi! En fait, je te le paye ton McDo! Oh, non, j'ai peur de m'approcher du bord là. Attends, hop, deux secondes. Ça, c'est un treuil, ça va servir à monter les vélos ici. Parce qu'on peut pas du tout monter par là en fait. On est plus haut que toutes les maisons qui sont là. J'ai pas le vertige d'habitude, c'est un truc de fou quoi. Là, je suis pas bien. Là, on a une vieille caravane ici. Et là, on a des bateaux, regarde comment ils sont tout petits. Et Philippe, par où on descend maintenant? Bon, en fait, il y a un échafaudage juste à côté, je pense que c'est par là pour quand on veut descendre à pied. Sa mère, moi, je descends par les escaliers. Non! Pourquoi tout est dangereux dans ce que je fais? J'aurais pas pu faire des vidéos de gaming là. Voilà, j'aurais pas risqué ma vie pour des vidéos. Ah! Ça y est, on est prêt. On a tous les petits équipements qu'il faut. Notre heure est arrivée. Casque intégral cette fois-ci. Obligé. Sache que c'était cool. J'ai vraiment apprécié faire des vidéos avec toi. Voilà. Très belle aventure sur YouTube. Qui s'arrête peut-être aujourd'hui. Est-ce que ça serait pas le moment pour dire un grand merci à notre communauté? N'hésitez pas à vous abonner, même si peut-être qu'il n'y aura plus de vidéos, mais abonnez-vous quand même. Abonnez-vous quand même, ça peut toujours servir. Il y a beaucoup de gens qui suivent les vidéos sans forcément être abonnés. Alors bon, abonnez-vous, ça ferait plaisir. Ils ont même pas demandé ton avis. Ils ont pris son vélo, ils l'ont mis sur le trail. Il est parti là-haut. Moi je suis le mec dans les films qui meurt toujours en premier. On a oublié de vous présenter la personne qui a construit cette folie. Tu vas bien? Ça va. Écoute mec, déjà bien joué pour ce que t'as fait, c'est un travail de malade. Et je crois que Pierre est parti pour essayer. Bon, on va aller là-haut, on va aller soutenir Pierre. T'es obligé de me filmer dans ces moments difficiles. Bah oui. On doit tout partager Pierre, tout partager. Pas très bien. Pierre a pris son VTT en premier. Pourquoi le VTT? Je sais pas, il y a des suspensions, il y a des gros freins, peut-être que... fait pour de la descente, du coup je me suis dit... Ouais, c'est un vélo de descente. Pour faire quoi? Une descente.
40. Ah, c'est très drôle ça. Tu voulais dire quoi juste avant en fait? Abonnez-vous à ma chaîne. Le lien est dans la description. Regarde-moi comment ça. Vas-y, on va Yeah boy. Yes, il est pas mort. Ouais mon Pierrot, c'est ça qu'on veut. Oh putain, je suis en hauteur. Bon, on va s'échauffer tranquillement. On va faire quelques petites figures là sur la prise d'élan. Qu'est-ce qu'il y a, Depuis tout à l'heure, je te vois faire des allers-retours là. Mais je m'échauffe tranquille. Ouais. Je vais y aller. C'était juste un petit échauffement, t'inquiète pas. C'est ce que tu m'as dit il y a 30 minutes. Pas du tout. Bon, et l'heure elle passe vite aussi. Ouais, c'est le décalage horaire. Merci Pierre de me descendre le treuil. C'est très gentil. A tout à l'heure. Ok, bah, je crois que c'est à mon tour. Faut remonter le petit BMX. Ok. Oh là 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 là. C'est pas naturel d'être aussi haut avec son vélo. Philippe, il est tout en haut. Il est pas bien. Allez, c'est parti les gars. Allez. C'est un truc de malade. J'en ai fait des vidéos. On a tourné dans des endroits incroyables. Mais celui-ci, je peux vous dire que c'est un truc de fou malade. J'ai qu'une seule envie là, c'est d'y retourner tout de suite. Ok, c'est parti pour le deuxième petit saut. Parti. Pierre est là-haut, je sais pas ce qu'il va essayer. Yeah boy, oh là 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 là, la hauteur. Je crois qu'il était surpris, il avait trop de hauteur, trop de vitesse. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas supprimer ce clip parce que j'ai jamais fait un clip aussi moche de ma vie, ok? À mon tour. Philippe, je te mets au défi de faire le plus de whip possible. Pierre, il m'a lancé un petit défi, c'est faire le plus de tel whip possible. J'en ai même pas encore essayé un seul. Deux, trois, quatre. Le loulou coupe terre, je pensais qu'il allait s'envoler là-haut. Alors monsieur Philippe, qu'est-ce qui s'est passé là? Bah écoute, au moins on aura essayé hein. Okay. Parade, il y a plein d'autres figures qui demandent à être essayées. Comme double back flip par exemple. Ça c'est en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin pour pas louper cette figure. On va tous les deux essayer de faire backflip 360 sur l'airbag. Il est parti pour essayer en premier. Wow, ça va? Pierre, il est vivant! On va essayer de faire mieux que lui là, là le mec en bas. J'espère qu'il va le chier, ça serait drôle. C'est parti! C'est parti pour le deuxième essai du backflip 3-6 de Pierre. Et on est parti pour le deuxième essai du backflip de Monsieur Cantonou qui est devant. Bon, Pierre m'a dit qu'il allait essayer sa meilleure figure. Je lui ai demandé c'était quoi, elle a pas voulu me dire. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Franchement, très très belle figure. Vas-y, bah, je te défie de faire mieux. Mieux que ça? Ouais, mieux que ça. Je pense que ça va pas être dur. Va-t-il faire mieux? Allez, Philippe. Je me dirige comme ça. On dirait un mouvement de corps comme ça. Que va-t-il faire? Oh my god, je crois qu'il a atterri sur le vélo. Ça va? Il est pas mort. Mais ce Pierre Sorion est invincible. Du coup, on a une idée à la con, vous voyez, on est tous les deux là-haut avec notre vélo. On va essayer de se suivre les gars et de partir tous les deux en backflip. Chacun va partir de son côté et on va essayer de pas se rentrer dedans. Putain, les idées con comme ça. Ouais, c'est un peu débile, je t'avoue. T'es prête? Ouais, je suis prête, ouais. Je pense qu'il faut que je parte. Toi, tu pars plus en arrière, moi je pars de là pour pas qu'on se tape les guidons. Ok. Ok, prêt? C'est parti. Ah!
Du coup la réception était plus basse, j'ai pas su atterrir correctement. Ouais mon gars. Bon les amis, je pense qu'on passe au moment le plus extrême de cette vidéo. Au début de la vidéo, Pierre a dit qu'il essaierait le double backflip. Il y a un McDo en jeu. Est-ce qu'il va le mettre? S'il le met, je lui dois un McDo. J'espère que je vais pas perdre mon meilleur acolyte. Sache que mourir puceau ça craint. Ouais, ça c'est triste, ça c'est vraiment triste. Il peut pas mourir aujourd'hui juste à cause de ça. Vas-y Pierre, quand tu veux, on est avec toi. Putain mais il est parti. Allez, allez mon Pierrot. 1, 2. Oh là 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 là. Oh, il est tombé en plein sur la tête, j'espère qu'il va bien. Il est en train de dire merci le casque. Merci BH Trading qui nous a envoyé ce magnifique casque. Regarde l'airbag, la trace qu'il a fait. Putain, ta tête elle a tapé fort. Ah oui, il faut savoir qu'un airbag ça amortit, mais quand t'arrives à pleine vitesse dessus, ça te met une sacrée claque. Mais tu devrais être content qu'il t'ait sauvé la vie. Ouais, mais j'étais tout là. En tout cas, gros, t'as essayé, je te dois un McDo. Sérieux ? Ah bah, franchement. Yo ! Bon, je pense qu'on a roulé vraiment une des pires rampes qu'on ait jamais faites. Ah, c'est la street ici. C'est un très beau suite, ça. Ouais, genre de la place. Ouais, ça se trouve en description, ça se trouve en description, c'est comme ça. Ça, là. Ouais, comme ça aussi, ouais. Ok, d'accord. C'était juste pour savoir. Ouais, voilà. C'est dans la description au cas où. Ouais. Si vous aimez ce genre de vidéo où on vient rouler des rampes totalement immenses comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper la prochaine, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les vidéos sans être forcément abonnés. Si vous êtes de Picardie des alentours, sachez que vous aussi, vous pouvez venir rouler cette rampe. Je vous mets toutes les infos dans la description. À mercredi prochain, midi pile, pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ça fait mal. Et ne vous abonnez pas à ce Google. C'est vraiment plus mal. Et abonnez-vous, non? Ouais, abonnez-vous.